Anthony, c'est frustrant pour tout le monde, bien évidemment, mais depuis deux matchs, vous n'avez pas été en mesure de marquer. Qu'est-ce qui vous a manqué offensivement? À part de parler d'offensivement, je pense que parler du général, on n'a pas été capable de mettre nos couilles sur le terrain ce soir. Puis je pense que c'est pour ça. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce manque de volonté peut-être devient récurrent à Philadelphie? C'est un peu le même thème. J'ai de la misère à répondre à cette question-là. Je pense que collectif, tout le monde doit se regarder dans le miroir puis d'aller voir chacun ses problèmes puis de s'ajuster parce que oui, on va dire que la saison est longue, mais en faisant enchaîner des défaites comme ça va nous affecter. Est-ce qu'il y a eu une volonté de réveiller tout le monde un peu quand vous avez quand même bien commencé la deuxième mi-temps, mais vous n'avez pas été en mesure de garder ce rythme-là après? Oui, mais je pense que ça s'est fait en première mi-temps, on n'était pas là. Manque d'énergie, manque de combativité, puis on a payé le prix à la fin. Quelle a été votre réaction simplement de la foule? C'est sûr que c'est jamais agréable, surtout à la maison ici. Tu veux pas que ça arrive. Mais en même temps, ils ont raison, c'était inacceptable, ça peut pas arriver. Anthony, pourtant, tu avais quand même quelques semi-occasions. Tu avais l'impression qu'un rebond favorable, un peu de chance, de la malchance du côté de l'adversaire, tu aurais pu changer la donne pour toi, tu étais proche plus en fait autour de la zone. Ouais, c'est sûr. Des fois, comme tu as dit, le bon favorable aujourd'hui, je sens qu'il n'était pas nécessairement de notre côté. Mais après, ça arrive, des matchs comme ça, c'est juste la chance n'était pas avec nous. Ça a été plus difficile pour Nacho de s'imposer dans les deux derniers matchs. As-tu le sentiment que ça vous force à trouver des solutions et que vous avez peut-être un petit peu de difficulté à ce niveau-là? Non, je pense que dans les deux derniers matchs, on savait où il fallait passer pour faire mal à l'adversaire, mais on ne l'a pas fait. Donc, c'est encore là. Des fois, on a un jeu simple à faire, puis on veut se casser la tête à aller faire le jeu compliqué. Fait que c'est ça des fois le problème. Merci. 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 Mer